Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette heure, on va parler non seulement de photographie, mais on va voir comment on est capable de mettre en place, je dirais, l'équivalent d'un blog depuis directement Lightroom en utilisant les options autour d'Adobe Spark. Donc d'abord, bonjour aux nouveaux, bonjour à ceux qui nous suivent depuis un certain temps et qui nous connaissent déjà. Si vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez pas à la poser dans le chat. Les sessions sur la chaîne YouTube Adobe France se déroulent en direct, et donc j'essaye de vous répondre autant que possible, bien entendu. Je ne fais pas de magie non plus, il y a des moments où je ne sais pas répondre à toutes vos questions, mais on essaye. Bonjour Alexandre, bonjour Hyperlib, bonjour Jean-Loup. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en grande forme, et que nous allons pouvoir travailler tous ensemble. Aujourd'hui, le point donc qui nous intéresse, ça va être la photo. Vous savez que lorsqu'on travaille sur des images, on a toujours le besoin de les partager. Je vous ai déjà présenté à l'intérieur de Lightroom les options pour partager vos images rapidement avec un client, par exemple, directement depuis lightroom.adobe.com sur le site web. Comme ça, vous pouvez le faire en mode déporté. Mais ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en plus, c'était comment éventuellement mettre en place une forme de blog, de petits liens entre différentes pages, entre différents éléments que vous auriez pu créer. Et pour cela, je vais utiliser plusieurs applications. La première application que je vais utiliser, ça va être Adobe Spark, Spark Page, qui sera disponible soit sous la forme d'une application tablette, ou iPhone d'ailleurs, et Android, voilà, hein, je crois que tout le monde est servi, soit sous la forme d'une page web sur laquelle on va pouvoir éditer les images. Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais bien savoir, et que vous allez me confirmer dans le chat, c'est, alors si j'ai déjà des utilisateurs Spark ici, vous mettez Spark 0, 50 ou 100%, et des utilisateurs Lightroom 0, 50 ou 100%, histoire de comprendre un petit peu à qui je m'adresse, et puis de pouvoir échanger avec vous en toute connaissance de cause. Voilà, donc ça c'est la toute première étape pour notre session. Deuxième application sur laquelle on reviendra évidemment, ça va être Lightroom CC, principalement parce que c'est l'application qui va me permettre moi le plus facilement de vous partager les images et puis de vous donner des trucs actuels. Mais n'oubliez pas, et ça c'est super important, c'est que depuis Lightroom classique, donc là je m'adresse plutôt aux photographes qui ont déjà un gros catalogue avec beaucoup d'images, beaucoup d'archives, beaucoup de disques durs, etc. Depuis Lightroom classique, vous avez accès aussi, évidemment, à l'ensemble de ces photos disponibles sur Lightroom CC. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement pratique, extrêmement puissant, et pour lequel je voudrais pas que vous soyez pris en défaut, genre « Ah bah non, zut, moi j'ai que Lightroom classique ». Donc, je vois les réponses qui commencent à arriver. D'ailleurs, bonjour au petit dernier, Patrick et FC2 Events. Donc, Spark 0, Lightroom 50, Spark 0 et Lightroom 90. Bon, on va essayer de remettre ça en place et de compléter pour que vous soyez tous à peu près au même niveau à la fin de cette session. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Ce serait pas mal, non? Hop. Donc vous êtes chez moi, bienvenue, enfin en tout cas sur mon ordi. Et sur cet écran, vous pouvez voir l'interface de Lightroom CC. Lightroom CC, je redis juste pour ceux qui seraient perdus, quand on a commencé à faire de la retouche d'image, c'était sur Photoshop, hein, tout le monde je crois y est passé un jour, on a simplifié Photoshop en gardant que les fonctions pour les photographes à l'intérieur de Lightroom classique, et on leur a rajouté un catalogue. Et ce qu'on a fait dans la troisième itération, c'est celle qui s'est appelée pendant une époque Lightroom CC, donc qui était vraiment la plateforme Lightroom, c'est pour ça qu'elle a des petits coins arrondis autour, et sur cette plateforme Lightroom, on a simplifié aussi la gestion des disques durs, c'est-à-dire que toutes vos images, toutes vos photos, sont sauvegardées instantanément en ligne. Ce qui vous permet aussi des petites astuces, comme ici par exemple, j'ai un
projet que je vous avais présenté autrefois. On a fait une session sur les contenus collaboratifs. Et sur ce projet, eh bien, vous voyez qu'il y a mes photos, donc les photos que j'ai développées. Et puis, vous pouvez voir qu'en dessous, eh bien, j'ai des photos avec des badges. Parce que ces photos, spécifiquement, ont été réalisées alors ici par Marco, là par Alexandre qui est avec nous dans le chat. Donc, c'est ce genre de choses qu'on est capable de faire avec Lightroom CC. Et donc, c'est pour ça, justement, c'était une grosse demande des photographes. Comment faire pour partager rapidement mon catalogue? Comment m'assurer que d'autres utilisateurs avec qui je travaille vont y avoir accès? Vous pouvez tout à fait préparer un événement. Je pense par exemple à un voyage organisé, un voyage scolaire ou un voyage d'entreprise. Vous avez évidemment, tout le monde va tirer des photos. Sauf que tirer des photos, c'est bien, les développer correctement, c'est encore une autre paire de manches. Donc c'est pour ça qu'on a proposé cet outil-là, qui, je l'espère, vous satisfera, parce que moi, je le trouve assez intéressant, justement, dans le cadre des activités qui nous intéressent. Hop. Alors, je rentre un petit code ici. Là, un là et un là. Et dans la bonne fenêtre. Ok. Voilà. Et c'était important que les deux machines soient connectées à Internet, sinon on aurait été un petit peu triste pour la suite des événements. Donc, une fois que j'en suis là, une fois que je suis sur ce sujet, je vais pouvoir vous montrer que ce que je vois ici à l'intérieur de mon Adobe Lightroom, eh bien, c'est la même chose que ce que je pourrais retrouver sur mon iPad, par exemple. Alors, j'ai choisi l'iPad plutôt que l'iPhone aujourd'hui, ça me permet d'avoir un écran plus grand, mais vous pouvez faire exactement la même chose sur votre iPhone, sur votre Android, vous aurez accès aussi à l'application Lightroom. Donc je vais créer un enregistrement vidéo et je vais lui demander d'aller chercher directement l'iPad. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire, décider plus tard, faire confiance à cet ordinateur. Mais oui, on va faire confiance. Hop. Et vous allez patienter 2 secondes. Voilà. C'est bon, les deux machines se font confiance. C'est étonnant qu'ils ne souhaitent pas faire confiance par défaut. Donc, voilà, je suis sur mon iPad, et donc j'ai deux applications qu'on va voir aujourd'hui. La première, eh bien, ça va être Lightroom, qui est ici présent en bas, qui me permet d'ailleurs, comme vous pouvez voir, de partager pour proposer à d'autres utilisateurs, de réorganiser les apps, mais surtout de prendre une photo. J'ai vu du Lightroom 0 et du Lightroom... Ouais, Lightroom 50. Je vais juste vous présenter un petit truc, parce que ça, j'adore. Quand vous êtes sur Lightroom, vous pouvez lancer l'application et vous pouvez lui demander un truc que je trouve vraiment puissant. Quand on se met en mode professionnel à l'intérieur de Lightroom, alors là, il a décidé de me le mettre en vertical, ce qui ne va pas être des plus pratiques. Et je vais pouvoir lui demander, en fait... Non, et voilà. On va le mettre dans ce sens-là. Je vais pouvoir lui demander de faire la mise au point, non pas en automatique, mais sur une zone précise de mon image, ce qui me permettra d'ailleurs de voir que mon écran est un peu crade. Ça, c'est pour moi vraiment le plus de Lightroom, c'est-à-dire que plutôt que de photographier simplement avec vos boîtiers, eh bien, vous allez pouvoir demander à photographier avec vos téléphones, vous allez pouvoir utiliser, pourquoi pas, des petits supports, je pense aux petits Joby Gorillapod, qui sont hyper pratiques pour ça, ou n'importe quel autre petit support, et vous allez pouvoir lui demander, justement, d'anticiper un petit peu cette mise en forme, et de travailler dessus. Et ça va vous permettre, eh bien, de faire, par exemple, un vrai shooting avec un simple iPhone ou un simple Android posé sur un trépied avec la mise au point qui est fixe, que vous avez décidé, pas juste la mise au point du boîtier. Par exemple, ici, sur cette image-là, vous reconnaîtrez sûrement le travail de Mr. Cup, Fabien Barral, que j'avais reçu parmi nous. Eh bien, ça m'a permis de choisir d'avoir vraiment du bokeh sur le fond et d'avoir qu'on ne reconnaisse plus quasiment l'arc de triomphe, alors que je suis net sur les points importants de l'image. Donc son dernier jeu de cartes d'éphéméride. D'ailleurs, au passage, hein, le calendrier 2020 est prêt, donc il n'y a plus qu'à passer sur la page Kickstarter, je crois. Voilà.
petit décalage ici, juste histoire de régler un problème d'écran. Tout va bien. Donc, là je suis sur mon Lightroom, si je veux créer, si j'ai une série de photos qui m'intéresse particulièrement, par exemple je trouve que la série nourriture m'intéresse, donc je vais sélectionner une photo, puis une autre, je vais prendre un peu de tout, du léger, du moins léger, etc. Cette série de photos m'intéresse, je peux tout à fait partager directement ma série de photos, et la manière dont je vais pouvoir la partager, eh bien je vais pouvoir soit exporter chacune des photos, soit partager et fabriquer, donc alors ici je peux fabriquer un export de chacune des images, et donc il va me faire ce partage directement depuis l'appli Lightroom. Ça c'est assez pratique, mais ce qui va m'intéresser moi, qui va me permettre d'aller un petit peu plus loin, c'est que je vais pouvoir lui demander, en fait là j'ai juste fait une récupération des images que j'étais en train de mettre en place, ce que je vais pouvoir lui demander par la suite, eh bien c'est que ces images là, elles sont enregistrées tout simplement, en tant qu'image, mais je peux aussi donc sélectionner, pareil, 1, 2, 3, 4, je peux prendre mes images et je peux les ajouter. Les ajouter, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une destination, je vais créer un nouvel album, cet album, eh bien, je vais l'appeler Ask, quel jour on est aujourd'hui? On est le 08-10, voilà. Et sur l'album du 0810, eh bien, je vais tout simplement sélectionner l'album. Je pourrais d'ailleurs sélectionner mon album ou un album existant, bien entendu, et je vais ajouter mes images dans cet album. Et une fois que j'ai ajouté mes 4 images, elles sont présentes, et je vais pouvoir lui demander. Je vais pouvoir lui proposer plusieurs choses. D'abord, je vais pouvoir lui proposer de le mettre en diaporama. Ça va être assez pratique de pouvoir lancer une série assez rapidement. Vous voyez, c'est vraiment instantané, hein. Je suis en déplacement, je veux montrer à mes mariés, à mes collègues, etc. Toutes les photos que je viens de tirer, je vais pouvoir le faire directement dessus. Je vais pouvoir lui demander aussi de reprendre du coup tout l'album en question. Petit plus, de partager l'album pour que d'autres collaborateurs rajoutent leurs photos, ce que je vais pas faire ici, c'est pas forcément nécessaire de le faire directement. Je peux lui demander d'ailleurs de commenter, je peux autoriser ça. Hop. Est-ce que j'autorise Lightroom à me mettre des notifications? Allez, pour aujourd'hui, on va l'autoriser. Et ce qui va être intéressant là-dedans, eh bien, c'est que le lien que j'ai récupéré, je vais pouvoir le copier, et je vais pouvoir aller le regarder directement, eh bien, pourquoi pas, sur mon navigateur. Donc je vais prendre un navigateur, hop. Check. Donc je fais une petite pause écran tout simplement parce que j'ai besoin de me connecter là-dessus pour voir l'écran. Hop. Et autant je vous aime beaucoup, autant quand je mets des mots de passe, j'aime bien rester tranquille. Voilà. Surtout sur iOS où tout est écrit. Voilà. Désolé pour la petite interruption. Donc là, j'ai copié le lien qui m'avait été donné directement dans Lightroom. Et quand je suis sur lightroom.adobe.com, eh bien, je vais retrouver en fait le lien de mon album. Et du coup, si je retrouve le lien de mon album, eh bien, rien que là, ça me fait déjà un premier petit aspect pour en faire, pourquoi pas, un bout de blog. Ça, ce serait un premier petit rendu. Ce serait une première manière de partager vos images. Vous pouvez aussi, une fois que vous êtes connecté sur cet album, eh bien, vous allez pouvoir commenter, genre, mets un commentaire du style où est la retouche, parce que pour le coup,
il n'y a pas eu de retouche d'effectuer dessus, je publie mon commentaire et je vais la retrouver en fait directement dans mes applications. Alors évidemment, je commente mes propres images, c'est toujours un petit peu étrange. Mais toujours est-il qu'on peut le faire, on peut récupérer les contenus, et on peut avoir des informations en fait sur les images. Et on a les informations que j'ai décidé de partager à l'intérieur de Lightroom. Là je vais revenir sur mon Lightroom derrière, et je vais lui dire quels sont les paramètres de ce lien. Et donc dans les paramètres du lien, je peux lui dire que j'autorise les métadonnées, j'autorise l'emplacement, donc la géolocalisation de mes photos. C'est super important, notamment si vous êtes en train de travailler sur des photos qui ont été tirées depuis votre smartphone ou depuis un boîtier sur lequel vous auriez accès à la géoloc. Et puis éventuellement, je peux autoriser le téléchargement des JPEG. Je termine ma configuration, je retourne donc sur mon navigateur, je vais revenir dessus, hop. Je recharge la page, je pense que j'ai besoin de recharger la page, on va juste vérifier ça, voilà. Et maintenant, quand je regarde ici les informations, bah, j'ai beaucoup plus d'infos, j'ai toutes les métadonnées que je venais de partager, et je retrouve aussi le lieu, comme ça si vous voulez aller déjeuner au même endroit, eh bien c'est possible, et c'est pas très loin de Nation. Voilà, ça c'était l'info du jour, ok ? Donc je retourne sur mon navigateur, ça c'est ce qu'on connaît maintenant, ça c'est ce qu'on sait faire depuis Lightroom CC. Et donc je vous avais promis tout à l'heure un petit passage, c'est le fait que les photos, les albums que j'ai mis en place à l'intérieur de Lightroom CC vont être disponibles à l'intérieur de Lightroom classique. Donc je repasse sur Lightroom classique, parce que ça c'est important aussi pour vous, de savoir qu'on peut faire le pont entre les deux applications. Et quand je vais sur Lightroom classique, eh bien ici, regardez bien, dans les collections de mon Lightroom classique, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des utilisateurs de classique parmi nous, j'ai depuis Lightroom CC, et je vais retrouver mes différents dossiers. Alors évidemment, je vais juste valider un petit truc, voilà. Il est en train de synchroniser 9 photos, donc je vais le voir synchroniser. Il me prévient que j'ai des commentaires qui ne sont pas lus, et du coup, si mes commentaires ne sont pas lus, ben, je vais pouvoir les lire. Synchronisation, on pose, lecture, on laisse tranquillement synchroniser, rajouter les images qui manquaient, et puis ce qu'on verra par la suite, quand il aura fini de synchroniser toutes les images, eh bien c'est que le dossier qu'on venait de créer, ASC0810, eh bien il est déjà disponible. Il est disponible ici, dans mon Lightroom classique. Et non seulement il est disponible dans Lightroom classique, mais il est disponible avec les petits points ici, comme la photo comporte des commentaires, je vais pouvoir voir ma photo, et je vais pouvoir voir que effectivement j'ai mis un like sur cette image, je vais pouvoir voir que sur l'image sur celle-ci, j'ai mis un commentaire, donc vous pouvez tout à fait imaginez travailler à plusieurs utilisateurs, travailler même avec des clients éventuellement, qui vous diront, bah voilà, celle-là je l'aime bien, celle-là j'en veux bien un exemplaire, celle-là j'aimerais bien compléter, j'aimerais bien une collaboration dessus, pourquoi pas commander des tirages. N'oubliez pas d'ailleurs, un tout petit truc, là c'est vraiment pour les utilisateurs de Lightroom classique, via le menu fenêtre, vous pouvez aller chercher des extensions sur Adobe Exchange, et dans les extensions sur Adobe Exchange, vous allez voir que vous avez accès même éventuellement à des modules pour... On va aller sur la version française. Vous avez accès sur Exchange à des modules pour Lightroom. Hop, Lightroom. On va chercher d'abord Exchange. Voilà. Adobe.com, Adobe Exchange. Okay. Et pour le Creative Cloud, en fait, vous allez pouvoir chercher par application. Par exemple, je viens ici sur Creative Cloud Exchange, je vais chercher des extensions qui concernent Lightroom classique. Et alors, je vais avoir évidemment énormément de presets, des pré-réglages pour Lightroom. Je sais que certains photographes aiment bien récupérer les pré-réglages les uns des autres. Mais ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est que je vais aussi retrouver dans les catégories... dans les catégories, par exemple, de faire à l'intérieur de Lightroom, pourquoi pas, de la vente en ligne, par exemple. Donc, je vais mettre vente ou vendre. Est-ce que je peux le faire? Non. Alors, qu'est-ce que je mets? Je mets market. Est-ce que je peux trouver market? Shop.
Est-ce que c'est shop? Voilà. Je vais pouvoir retrouver des shops là-dedans. Donc, ils me permettront en fait de partager une partie de mes images directement avec d'autres utilisateurs. Je vais évidemment pas réussir à remettre la main sur celui auquel je pense. Si vous savez déjà ce que je cherche, vous avez gagné. Parce que ça me permettait vraiment d'aller chercher dans Lightroom classique ce genre d'extension. Donc, pour pouvoir partager les images, pour pouvoir annoter, etc. etc. Et pas juste les petits réglages. Hop, hein, mais j'ai pas les catégories en fait. Hop. On va prendre les applications les plus chères, parce qu'en général, les applications les plus chères, elles vous permettent d'avoir pas mal de contenu. Des brushes, des presets, des keywords. Oui, pour ceux qui utilisent beaucoup les mots-clés, vous allez pouvoir retrouver ça. Vous allez pouvoir retrouver... Ouais, effectivement, ils en vendent pas mal des presets, dites donc. Je pensais qu'on aurait surtout les applications plus classiques, en haut. Bref. Eh bien, aujourd'hui, ça ne veut pas. Aujourd'hui, je n'arrive pas à retrouver. Donc, c'était un shop. Et ça ressemblait à Envia, Eovia ou quelque chose comme ça. Mais tant pis. Tant pis pour moi, tant pis pour vous. Aujourd'hui, j'essaierai de vous remettre le lien par la suite. En tout cas... Là, je viens de préparer mes images, j'ai pu les taguer, j'ai pu les organiser, que ce soit dans Classic ou dans CC. Maintenant, on va passer à la partie, je dirais, la plus amusante, la plus drôle, c'est qu'on va passer dans Spark. Donc spark.adobe.com, c'est disponible à la fois sur vos navigateurs, mais c'est disponible aussi sur vos tablettes ou sur vos iPhones. Donc ici, si je me remets sur l'iPhone, sur l'iPad, pardon, je vais pouvoir retrouver ici une application qui s'appelle Spark Page. Je vais lancer Spark Page depuis iOS, comme ça vous allez pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Ici, quand je démarre, il me présente en fait tout ce qu'on est capable de faire. Il y a plusieurs types de pages, vous voyez, il y a une espèce de petit moteur qui me fait comprendre ce qu'il est en train de construire la page, qu'il est en train de bosser dessus. Et là-dessus, eh bien, je vais voir... une première page, vraiment en mode blog, en mode médium. Je vais pouvoir me balader dedans, je vais pouvoir attraper le contenu, retrouver les images. Alors là, je pense qu'il rame un petit peu à charger les contenus, parce qu'il doit charger au fur et à mesure les différentes images. Une fois que j'ai préparé mon Spark Page, eh bien, je vais pouvoir tester. Il y a différents styles dedans, il y a différentes inspirations, parce que l'inspiration, c'est super important au niveau de Spark. Et ce que je vais voir dessus, en fait, c'est que tout ce que je mets en place sur un Spark Page, eh bien, je vais pouvoir le poster en ligne rapidement. Et moi, je vais avoir mes propres pages. Quand je regarde mes propres pages, elles vont être disponibles à la fois, donc là, j'étais sur la tablette, mais si je masque la tablette et que je retourne sur mon navigateur, je retrouve les mêmes pages qui sont disponibles aussi. Donc, tout ce que je fais d'un côté, ça va être disponible de l'autre. Je vais les retrouver ici, je vais pouvoir lui demander donc de ne voir d'ailleurs pour l'instant sur le navigateur que toutes que les posts Spark Page spécifiquement. Donc je retrouve mes IDUG, je retrouve ma macro photo, Back from Max, etc., etc. Donc tout un tas de contenus sur lesquels on présente, enfin j'ai présenté, j'ai réalisé des pages là-dessus. Donc évidemment, quand je présente mes pages, eh bien j'ai parfois besoin de les. J'ai parfois besoin de les diffuser. Je vais vous montrer comment on fabrique une page. Est-ce que vous préférez que je commence d'ailleurs sur la version tablette ou sur la version ordinateur? Petit sondage rapide, tablette ou ordi. Comme ça, je choisis avec vous et on avance dessus. En attendant, je vous montre un petit peu un reportage qu'on avait réalisé avec Denis-Pierre Guido. Il était allé shooter en Martinique, il allait plonger là-bas. Durant ce reportage, eh bien, je me suis servi de ce qu'il a mis en place pour rajouter du texte, rajouter du contenu
éditer les photos. Et donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir fabriquer à l'intérieur de Spark Page très rapidement. Ça vous fait non seulement des blogs, mais ça vous fait aussi, enfin ça vous, en termes de rendu ici, eh bien on sera beaucoup plus direct sur un côté un petit peu documentaire. On est au-delà du simple magazine papier, on va avoir vraiment l'atout d'être sur du multimédia. Ok ? Alors j'ai 1, 2, 3 pour la tablette, 1 pour l'ordi, donc à 3 contre 1, on va partir sur la tablette. Je vous montre comment on démarre. Donc petit plus, tout en bas de mon Spark, j'ai le bouton plus, et il me prévient d'abord qu'il va synchroniser tous mes contenus. Moi ça m'arrange parce que ça veut dire que ce que je vais commencer à faire ici avec vous, eh bien je vais le retrouver derrière. Le titre, hop, Ask Pro. C'est le nom de l'autre session. Et le sous-titre de Lightroom à Spark Page. J'ai mis un titre. Ça, c'est vraiment un bon début. Et pour le déplacer, il faut que j'appuie pour le mettre à un autre endroit. Régulièrement, à l'intérieur de Spark, vous allez être guidé. Quand vous avez besoin de quelque chose, il va vous dire à quel endroit le récupérer, à quel endroit le faire. Ok, j'ai compris ça. D'abord, il me propose de mettre une photo d'arrière-plan. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible sur le ici. Vous voyez, j'ai des petits pointillés dans le coin de ma page. Donc, on est vraiment sur cette zone-là. Je choisis une photo. Quelle photo je vais choisir ? Eh bien, si j'ai envie de choisir une photo particulière sur mon iPad, je peux la récupérer. Si j'ai envie d'aller chercher une photo d'Adobe Stock, et je vais pouvoir aller récupérer, par exemple, ici, je veux un dîner aux chandelles. Hop. On va rechercher ça, search. Il va me rechercher dans Stock et il va sans doute me trouver des images qui correspondent. Qui ne sont pas toutes les plus sympas du monde parce que il y a pas mal d'images qui. Ouais, c'est peut-être pas le choix le plus intéressant. Dîner, je vais chercher restaurant espagnol. Il faudrait sûrement préciser quel côté de l'Espagne on cherche. Mais au moins, ce sera un petit peu plus, ce sera un petit peu plus coloré comme image. Donc, je le laisse chercher. Ouais, voilà, on va avoir une paella, ça va être beaucoup plus sympa quand même. Et du coup, je vais pouvoir choisir parmi ces images. Et non seulement je vais pouvoir choisir, mais en plus, si je sais que derrière, je dois corriger mon image, je veux l'acheter, je veux valider le choix d'image qui a été fait, eh bien, je pourrais tout à fait prendre l'image, prendre la version comme vous voyez avec la version base dev, c'est une version Adobe Stock, donc il y a un filigrane dessus qui pour l'instant, pour la démo, n'est pas dérangeant, mais si j'en avais besoin, vous voyez qu'il me précise rechercher le bouton i qui est perdu là dans un coin pour avoir l'info dessus, et je vais pouvoir lui dire, bah voilà, ça c'était le plat de paella espagnol via Adobe Stock, il est libre de droit et disponible, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton pour acheter la licence de ma paella. Ok ? Ça marche pour vous ? Bon, je vais pas, pour celle-ci, je ne vais pas la prendre, on est juste en train de découvrir. Ensuite, je vais pouvoir faire défiler, comme il me l'indique, pour commencer à écrire mon histoire. Et là, je vais choisir ce que je vais mettre en place. Là, je vais vous parler de nourriture. Donc, heureusement, je me suis déjà fait pas mal d'albums Lightroom, mais j'aimerais bien commencer, faire une petite introduction. Donc je vais mettre ici petit plus un texte et je vais lui dire cet article nous parlera de mes meilleures assiettes. Ok. Je regarde ce que ça donne derrière. C'est pas mal. Ou d'ailleurs c'est pas nous parlera, c'est vous parlera. Hop. Okay. Cet article vous parlera de mes meilleures assiettes, et j'ai envie en fait que le texte que j'ai sélectionné, eh bien, il soit en H1, donc c'est le plus gros titre qui est utilisé, ou en H2, qui va être un intertitre. Tiens, c'est étonnant ça. Evaluating Selection Metrics Focus. Ok. Bon, tout va bien, on devrait survivre. Donc là, je vais vous mettre le titre de base, le titre principal, et puis je vais compléter. Petit plus. Donc, je vais pouvoir raconter un petit peu. Alors, je ne suis pas blogueuse food, donc je ne sais pas trop écrire ça correctement. Peut-être mes meilleurs choix de restaurants
ont toujours été recommandées par les amis. Voilà. Blablabla, blablabla. Donc je peux écrire des tonnes de trucs. Je vais pas vous faire mon premier blog là-dessus. Et puis je vais compléter. C'est une page de blog, je complète, petit plus, et j'aimerais bien insérer au moins une photo. Donc photo. Tout à l'heure, je suis passé sur Adobe Stock. Ça m'a permis de choisir une image qui serait générique, mais l'idée quand même pour moi, c'est d'aller prendre les images que j'ai réalisées. Donc je vais cliquer sur le petit bouton Lightroom, et dans le bouton Lightroom, en fait, ce qu'il va y avoir d'intéressant pour nous, c'est qu'on va pouvoir retrouver, eh bien, toutes les images, et quand je suis sur Lightroom, je retrouve en fait tous les différents catalogues que j'ai préparés. Alors, si je regarde ces différents catalogues, ils vont être rangés par ordre de création. Vous voyez que ça fait quand même un bail que je réalise des catalogues là-dessus. Hop. Je me demande d'ailleurs s'il est connecté ou pas pour l'instant. Parce que comme vous l'aviez constaté tout à l'heure, j'en avais beaucoup plus de ces images. Et surtout, j'ai pas une seule photo de nourriture dans ce que j'ai choisi ici. C'est dommage. Parce que Pro 2017, on va aller choisir des images qui correspondent absolument pas à ce que je voulais mettre dans mon catalogue. C'est pas très très grave. Hop, on va trier. Je vais pouvoir lui demander de trier les images, eh bien, par temps de capture croissant ou décroissant, ou dans un ordre personnalisé. Ça, ce sera à moi de voir. Ce que je vais pouvoir lui demander aussi, c'est de voir, d'afficher les images qui sont sélectionnées et non marquées, les images qui sont choisies, ou de tout afficher. Si je veux tout afficher, au moins je vois toutes les images qui font partie d'un catalogue ou d'un dossier. Alors ici, il a décidé de ne pas me proposer tous mes dossiers, ce qui m'embête toujours un petit peu, parce que je trouvais ça plutôt pratique. Je vais regarder si je les retrouve via mon Creative Cloud. Ok, dans les ressources. Non, là, j'ai vraiment retrouvé que mes dossiers Creative Cloud, et j'ai pas retrouvé mes images Lightroom. Très frustrant. Donc, je reprends. Hop, petit plus, une photo via Lightroom. Dans Lightroom, je choisis mes dossiers. Ah, mais si, regardez, j'ai de la nourriture là-haut. C'était pas complètement espagnol, c'était plutôt mexicain. Et du coup, je vais retrouver, en fait, pourquoi pas, cette petite image de tacos, faritas, je sais plus, qu'on avait réalisée. Donc, une fois que j'ai placé mon image, je vais pouvoir choisir, en fait, ce qui va être important dans l'image. Je vais pouvoir choisir la manière dont elle va s'intégrer. Ici, par défaut, elle est intégrée à la même largeur que le texte. Vous voyez, j'ai juste la petite pastille sur le côté qui me présente l'icône avec une image et la taille du texte. Je peux lui demander de remplir l'écran. Quand je lui demande de remplir l'écran, en fait, il va adapter l'image, et comme je remplis l'écran, eh bien, je vais pouvoir lui donner des informations en plus. Donc si je le remets en intégré, je vais voir à nouveau mon image, je peux lui demander de le mettre en fenêtre. En fenêtre, ça va me permettre, en fait, quand je vais me déplacer sur cette image, eh bien, de retrouver, en fait, l'image en plus grand. Petit plus, légende, mes meilleurs faritas, tout est meilleur chez moi, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus, on va pouvoir mettre ça en place tranquillement. Et puis, il va se passer des trucs selon la manière, en fait, dont on va faire évoluer nos photos. Ici, j'ai choisi de la mettre en fenêtre, je pourrais la mettre sur toute la largeur. Sur toute la largeur, je retrouve toute mon image. Je vais pouvoir lui demander, pour cette image-là, de déplacer. Déplacer quoi? Eh bien, déplacer l'image, hop, plutôt plus haut, plutôt plus bas, à l'intérieur des... par rapport, en fait, aux différentes composantes de mon texte. Ici, j'ai mon titre. J'ai ma légende, j'aimerais bien la retrouver en dessous du texte. Je reclique sur l'image, je déplace, hop, vers le bas. Et là, je peux pas aller plus bas, parce que mon texte est juste au-dessus. Ça marche pour vous ? En début de semaine, il y a eu une grosse mise à jour de l'application Creative Cloud. Oui, c'est fort probable, et c'est fort probable que j'ai pas forcément vu cette mise à jour sur iOS. Donc, mon contenu est placé. Je peux écrire un autre texte. Je vais écrire un autre texte qui sera pas forcément très intéressant, mais hop, check. J'ai pas de lorem ipsum intégré directement à Spark, donc on va le laisser, on va regarder ce que ça a tapé. Oula, ouais, cool. Et une fois que j'ai tapé mon autre texte, eh bien, je vais raconter
un petit peu plus sur les images. Donc je vais choisir une photo. J'aime bien repartir sur les photos, petit plus, photo. Et là, cette fois-ci, je vais parler, pourquoi pas, des arts de la table. Et quand je parle des arts de la table, je veux parler de points précis. Donc par exemple, j'aimerais bien remplir l'écran. Remplir l'écran, eh bien, pour préciser ici, légende, art de la table. Voilà. Et quand je fais ce point-là, je vais pouvoir travailler ici, vous voyez, j'ai un bouton point focal. Le point focal, en fait, ça va être l'élément important de ma page. Par exemple, ici, je trouve que les verres et la petite couronne sur le côté sont extrêmement importants. Une fois que j'ai placé mon point focal, je vais le voir sur la page en horizontale, je vais le voir ici en mode portrait, dans le coin en haut à droite de mon contenu. Ce qui fait que quand on va se déplacer, eh bien, Adobe Spark va se débrouiller pour que les éléments importants de mon image soient centrés sur le point focal. À tout moment, en fait, je peux reprendre cette image et je peux choisir justement comment on va se déplacer dedans, à quel moment on aura le meilleur endroit, le meilleur emplacement pour une image particulière. Et donc je peux continuer, donc ici je vais récupérer tout mon texte, parce que c'est sans doute pas le meilleur texte du monde, mais au moins il a l'avantage d'être déjà écrit. Et j'ai fait le choix de ne pas avoir de clavier particulier sur cette tablette. Et je regrette, maintenant, je regrette parce que je sais que... Hop, je vais le mettre en flottant. Yes. Je vais le mettre en flottant parce qu'il est en plein milieu du passage. Hop, copier, coller. Voilà. Donc j'ai du texte, j'ai des contenus, etc. Et je vais pouvoir compléter, en fait, cette histoire. Une fois que j'aurai complété mon histoire, eh bien, je vais choisir, au fil du temps, d'aller rajouter, par exemple, ici, une grille de photos. Et une grille de photos, eh bien, je vais pouvoir la prendre sur un de mes dossiers Lightroom. Je vais repartir sur le même. De toute façon, c'est celui qui correspond le plus à ce qu'on s'était raconté. Et dans mon dossier, eh bien, je vais lui dire, tiens, j'aimerais bien rajouter cette photo vue de très grand là-dessus. Puis je vais rajouter cette image-là. Puis je vais rajouter la petite vue de nuit. Et je vais rajouter aussi une dernière image dessus. Hop. Donc j'ai toutes mes images qui sont mises en place. Est-ce que je prends les verts ? Je peux lui demander de mettre une image particulière en petit. Je peux lui demander de déplacer l'image parmi les différentes images qui sont proposées. Je peux lui dire, ben tiens, telle image va être plutôt en majeur parce qu'elle est importante pour moi. Donc on va choisir justement d'organiser les contenus. Et je peux réaliser une grille aussi complexe que nécessaire. Ici, si je lui dis, ben tiens, cette image-là, en fait, elle n'a pas besoin d'être en majeur, on peut la réduire. On va la mettre... ici par défaut en grande photo, et celle-ci on va réduire cette photo-là aussi. Et du coup je vais avoir en fait le choix, je vais avoir l'organisation de mes différentes images, eh bien par rapport à ce que moi j'aurais souhaité mettre en place. C'est bon pour vous ? Yak me dit, je préfère la version ordi. Ouais, ordi sur navigateur. Pas de souci. Là, c'est juste qu'on a fait un vote à main levée. Et du coup, les gens ont choisi de le voir sur tablette. Comme ça, ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir regarder tranquillement sur leur tablette. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux terminer. Je peux prendre mon image et éventuellement, vous voyez ici, remplacer une image. Si cette image-là ne correspond plus à ce que j'avais l'intention de vous présenter... Je remplace. Si cette image ne me plaît vraiment pas, hop, corbeille, et je supprime une image en particulier. Je termine ma grille, et vous voyez que maintenant, elle est intégrée directement à l'intérieur de mon Spark Page. Ça marche pour tout le monde ? Je vais lui demander un truc. C'est que je vais revenir sur mes pages, et vous voyez que tout de suite, j'ai l'ensemble des pages Ask Pro qui est présent ici. Je peux retrouver donc tout ce qu'on vient de raconter, tout ce qu'on vient de placer. Et ce qui va être cool, effectivement, c'est que ce que je viens de faire sur la tablette, je vais pouvoir le compléter. Je vais pouvoir venir sur mon navigateur, et sur mon navigateur, je retrouve mon projet Ask Pro. Je retrouve le projet, je peux le modifier,
et je peux compléter en fait tout ce que j'ai commencé à saisir, tout ce que j'ai commencé à mettre en place. En fait, ça va être chargé, il va me recharger les différentes images et je vais retrouver l'intégralité des points qui ont été choisis. Par exemple, eh bien, le point de focus sur l'image, je vais retrouver je vais retrouver les différents textes que j'ai saisis, je vais retrouver la grille et je vais pouvoir compléter. Je vais pouvoir compléter, eh bien, pourquoi pas par un article, lorem ipsum dolor citamet, etc. Hop. Je pourrais bien entendu, là, pour le coup, aller chercher d'autres textes pour compléter. Et à chaque fois, en fait, pour la présentation, j'ai tendance à rythmer et ne pas présenter juste le contenu. Je vais vous montrer un autre point que j'aime bien, le scinder la mise en page. Ici, par exemple, je peux rajouter une image, je vais retourner sur mon Lightroom. J'aime bien retourner sur Lightroom parce que je le trouve assez pratique pour ça. Sur Lightroom, en fait, cette fois-ci, quand je suis dans le navigateur, il va me donner accès beaucoup plus facilement à l'ensemble de mes dossiers. Je ne sais pas du tout pourquoi sur la version tablette que j'avais sous la main, il n'était pas très motivé. C'est pas grave. Je vais venir ici, et eh bien pourquoi pas. Tiens, sur ce dossier-là, il y a l'air d'y avoir un peu de nourriture. Hop. Je vais intégrer donc la photo. Et de l'autre côté, comme j'ai splitté la mise en page, j'ai d'un côté une image et de l'autre côté, je peux mettre ce que je veux. Alors je peux soit mettre une deuxième image, soit je vais pouvoir mettre un texte. Manger, équilibrer et faire du sport régulièrement. Hop, lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum. Voilà. On va pouvoir s'en servir du coup pour intervertir la mise en page, pour pouvoir raconter des bouts d'histoire. Et vous voyez qu'il y a toujours cette espèce de petit effet parallaxe qui va se mettre en place au fil de vos pages. Je vais continuer, hop, encore un petit bout de texte. Et je vais même pouvoir lui demander ici de rajouter un petit bout de texte que je vais remettre, cette fois-ci, en termes de style. Je vais lui dire que c'est un H2. Et j'ai placé différents styles au fil de ma session. Quand je fais un retour chariot, ça met en place un retour paragraphe. Si vous avez des conseils diététiques, bien choisir son restaurant. Et vous allez voir que quand je vais dessus, je peux lui dire, tiens, en fait, là, on va pouvoir lui demander de faire un bullet point ou de faire une liste. Bien choisir son restaurant, faire attention à la fraîcheur du burger. Limiter l'apport calorique. Est-ce que je sais pas si je suis très crédible pour les gens qui me connaissent, mais voilà le genre de petites choses qu'on va pouvoir mettre en place, hop, à l'intérieur de notre page. Ok. Alors j'ai pas d'espace fine à l'intérieur de mon navigateur. Je suis assez confus de ça. Hop, regardez, on va régler ce problème d'espace fine directement. Et un sécable. Donc, ce que je viens de vous faire, c'est la présentation en fait des différents éléments qu'on va pouvoir rajouter, qu'on va pouvoir utiliser. Une fois que je suis arrivé là, ce que je vais pouvoir lui demander, alors Chris me demande, tiens, petite question, sur un iPad Pro, quand j'importe mes photos dans Lightroom CC, ça les importe sur la mémoire interne de l'iPad, est-ce qu'on peut laisser sur le SSD uniquement en les retouchant? Je vous remercie. Oui, alors sur un iPad Pro, ou sur un iPad normal d'ailleurs, quand vous rajoutez des photos, je vais repasser, je fais juste un petit aparté, parce que c'est, je pense que ça peut être utile. On va venir sur la tablette. Tac. Quand je suis sur Lightroom, je peux à tout moment en fait lui demander de rajouter des images. Or Lightroom, pardon, je vais lui demander tout en bas à droite, j'ai un petit bouton petit plus qui me permet d'importer des images depuis la pellicule, depuis les fichiers, et d'ailleurs sur les dernières versions d'iOS, on peut brancher des disques durs dessus pour pouvoir les mettre en place. Ce que je vais pouvoir faire, je peux l'écrire en texte, me dit Jean-Loup, je sais pas, j'essaierai. Ce que je vais pouvoir faire là-dessus, c'est que les images que j'ai rajoutées, eh bien, seront intégrées par défaut à mon ordi, et les images, du coup, elles vont être envoyées sur le cloud, dès que je suis connecté.
ce qui pourrait vous intéresser, c'est que bien certaines images, je peux prendre un dossier, moi, un dossier ASCII Pro qui est là, je peux appuyer sur les trois petits points et je peux lui demander de le stocker localement. Et quand je vais stocker localement, je vais télécharger juste ce dossier-là, ce qui fait que si je me déconnecte, je coupe l'accès à Internet, ici je suis en Wi-Fi, si je me déconnecte, eh bien j'aurai accès à mon dossier. Donc ça, c'est la partie que je recommande quand vous savez avant de partir que vous allez éditer un dossier en particulier. Sinon, si vous n'êtes pas connecté à Internet pendant que vous faites votre edit, eh bien là vous allez conserver les photos sur l'iPad uniquement. Vous pourrez éventuellement faire de la retouche, vous pourrez éventuellement retravailler dessus, mais les photos en tant que telles ne pourront pas rester sur le SSD, parce que Lightroom CC, le système de Lightroom CC, c'est vraiment de dire je travaille avec ma propre base de données qui est en ligne. Voilà, donc c'est la grosse différence pour moi entre un Lightroom CC et l'usage qu'on avait d'un Lightroom classique auparavant. Ok ? Donc je vais terminer mon petit article que j'aime bien par vous faire ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent un glide show. Le glide show, en fait, c'est ce moment où vous voulez faire un diaporama. Et vous voulez faire votre diaporama, alors ici j'ai choisi de le faire à partir de Lightroom, des photos Lightroom. Je vais choisir, hop, je vais retrouver mon dossier de tout à l'heure, ASC0810, voilà. Je vais prendre toutes les photos. Alors il n'est pas d'accord pour cocher avec la tablette. C'est bien ma veine, voilà. J'ai pris mes 4 photos, je vais les importer. Et ces 4 photos, en fait, elles vont être placées dans ce que Spark appelle le glide show. Donc je lui dis, hop, enregistrer. Et par défaut, en fait, ce que vous allez voir, c'est que il est allé importer les images, il est allé importer une bonne version des images. C'est aussi l'intérêt de travailler avec Lightroom, c'est que je n'ai pas eu besoin, pour réaliser mon Spark, de faire moi-même mes propres exports des images. C'est vraiment basé sur la meilleure qualité, la meilleure définition possible pour pouvoir partager ces images. Et puis une fois que j'aurai commencé mon glide show, ben vous voyez, j'ai ici des petits plus. Je vais pouvoir lui dire ici, alors je sais plus ce que c'était, c'était un petit sablé, hop. Sablé pas léger et crème. Je sais plus ce qu'il y avait dessus, je crois que c'était chocolat. Sablé pas léger, chocolat et crème. Mais peut-être que ce que j'ai envie de vous donner comme info là-dedans, eh bien c'est petit plus, j'aimerais bien mettre par exemple un bouton. Et le bouton, ça va être à déguster ici. Puis je vais aller rechercher, tout à l'heure on était allé chercher sur Maps le resto en question. Et si je dis pas de bêtises, c'était au Cozy. Cozy, avenue de Saint-Mandé, voilà. J'aime bien, je trouve que c'est cool. Je vais rechercher, hop, le lien qui m'est proposé. Hop. Et du coup, je vais pouvoir coller ici le lien. À déguster ici, au Cozy. Je peux choisir d'avoir mon bouton centré. Je peux enregistrer ce bouton. À déguster ici, au Cozy. Du coup, je vais faire pareil. Je vais mettre ma légende plutôt centrée sur la page. Je peux choisir aussi que le point focal dans mon image, ça va être peut-être la crème, parce que c'est ce qui me semble le plus important, vous voyez. D'ailleurs, on le voit dans la mise en page portrait. Ici, peut-être que l'important, c'était les pieds de verre, ce qui est rarement le cas. Là, par contre, bah, je trouve que la partie crème, elle est super importante sur le petit sablé. Donc, on va la mettre sur le point focal. Et du coup, quand je vais me déplacer, que ce soit en vertical ou en horizontal, eh bien, Spark va se débrouiller pour que j'ai exactement l'information qui m'intéresse. Et regardez bien ici, quand je prends ma légende, ici c'était des calamars à l'armoricaine, je sais plus si c'était à l'armoricaine, mais en tout cas c'était sauce rouge, voilà, je centre le contenu, je peux lui demander en fait, par exemple, j'aimerais bien récupérer une recette de calamars à l'armoricaine, donc je vais prendre ça, copier, on va chercher des recettes, il y en a plein internet. Hop, on va prendre juste le lien, copier l'adresse du lien. Je vais venir même sur mon texte et je vais pouvoir lui dire, tiens, à l'armoricaine, c'est un lien. Le lien, hop, c'est la recette
qui est proposé de l'autre côté. Je ne suis pas obligé de faire un bouton. Le bouton, ce n'est pas discret, discret. Là, je peux faire un lien à l'intérieur d'un texte plus long. Et ce que je peux faire, regardez bien, j'ai toujours le je ne sais pas si c'est très visible chez vous, j'ai sur mon bloc de quoi déplacer. Je peux le déplacer au centre, à droite, à gauche. Ok ? Donc là, ça va me permettre en fait de rythmer les légendes et du coup de me déplacer d'un point à l'autre sur la page. Ça marche, ça ? La vraie question, c'est mais où est-ce que Franck prend toutes les photos de bouffe ? Daniel, bah, j'y réponds, je vous ai donné un peu les adresses. Ok ? Non, je ne garde pas jalousement le secret. Vous n'avez qu'à me suivre. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir le tester. Je vais faire un aperçu, donc je clique sur aperçu, il va calculer un petit peu tout ça. Là vous remarquez d'ailleurs que j'ai le petit logo PPP qui se charge, parce que il y a longtemps je vous avais montré un projet labo que j'avais appelé PPP, Petite Production Parisienne, où on parlait de confiture. Et sur ce projet labo, eh bien, on avait mis le petit logo, on avait choisi les couleurs, on avait choisi des typos qui allaient bien. C'est comme ça que Spark a proposé en fait le choix de grille. Et là, vous voyez que j'ai bien mes articles, que j'ai bien tous les contenus. Hop, pardon, on va remettre l'aperçu. Il va calculer plus vite. Que j'ai bien les différents textes, que j'ai bien les différentes légendes, que mon chou va prendre, va, enfin que mon sablé, pardon, va prendre le devant, que je vais retrouver en cliquant sur le lien l'adresse du café, que je vais pouvoir retrouver par la suite, pareil, l'URL de la recette. Donc je suis vraiment dans un mode blog qui est relativement simple à mettre en œuvre. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je vais vraiment pouvoir lui demander, en fait, de générer tout ça. Et un petit plus, ça c'est plutôt pour les gens qui travaillent, non pas pour eux, mais pour des agences, c'est que dans les crédits, comme j'ai intégré un fichier qui venait d'Adobe Stock, eh bien, il m'inclut directement le crédit Adobe Stock qui va bien. Ok ? Sauf que je regarde ça, et je me dis, c'est pas mal, mais j'aimerais bien changer un petit peu d'ambiance. Et si je veux changer d'ambiance, je vais lui demander ici de travailler dans les thèmes. Et dans les thèmes, eh bien, j'ai les thèmes qui correspondent à la marque. Je vous ai parlé de PPP, c'était un logo rouge, c'était des typos manuscrites. Il m'avait proposé différents thèmes. Ici, par exemple, je suis sur le thème light. Je pouvais voir le thème medium, qui était à partir de la même couleur. Il allait me donner quelque chose de beaucoup plus dense. Mais beaucoup plus dense, mais sans doute beaucoup plus chaleureux par rapport à ce que je recherchais. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué, mais ça permet d'avoir, de rythmer en fait, les différents posts de blog que vous mettez en place. Et puis peut-être que finalement ces thèmes-là ne me plaisent pas par rapport à ce sujet-là, et du coup je vais aller chercher, par exemple ici, le thème vintage, et vous allez voir que tous les titres, tous les sous-titres, toute l'organisation des images, tous les styles sur les images ont été changés d'un coup. Là je suis sur vintage, je vais aller sur crisp, il va choisir un autre thème, un autre texte, le nightcap, il va me choisir une autre manière de mettre en forme le contenu, etc., etc. Ça va ça ? Ouais, c'est un point qui va être important pour vous. C'est que lorsque je reviens sur mon Spark, alors je peux maintenant que je l'ai réalisé, je peux le présenter. Donc je peux le présenter dans une fenêtre. Vous voulez vous servir de ce contenu Spark Page pour faire un bout de présentation et raconter votre histoire. Vous pouvez faire votre soirée diapo à partir de votre Spark Page. C'est tout à fait possible. On a les contenus, on a les différents éléments qui vont se présenter au fur et à mesure dans la manière que vous avez choisi. Et ici, je peux lui demander de partager. Partager comment ? Eh bien, je vais pouvoir publier, partager un lien. Donc, je vais pouvoir proposer directement à mon client, lui laisser un lien pérenne. Je vais pouvoir éventuellement l'imprimer. Et on aura, quand on l'imprime, ici, je vais vous le faire, parce que c'est pas souvent, et on se pose toujours justement la question pour un blog, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Là, par défaut, j'ai 11 pages pour réaliser, eh bien, au format PDF. Donc, je vais le faire directement en PDF, format portrait. Il va me choisir le contenu. Je lui demande de l'enregistrer. Alors je peux regarder mes différentes pages, je vais retrouver mon blog, je vais retrouver les mises en page, il y a des choses qu'il sait faire, plus ou moins bien. Il essaye de trouver en fait une façon print de représenter des choses qu'on avait vues sur le web. J'enregistre le Spark, je le mets sur le bureau, et je vais retrouver du coup un vrai PDF de ce contenu. Ça peut être un point intéressant pour vous. Enfin, ce que je trouve très intéressant, c'est que je vais pouvoir lui demander, par exemple, d'inviter quelqu'un. Je vais inviter Alex. Je vais lui dire, Alexandre, peux-tu compléter ? Je lui demande de compléter.
Donc lui va recevoir dans son Creative Cloud une petite icône, une petite vignette, où il va recevoir d'ailleurs peut-être seulement en mail d'ailleurs sur Spark. Et il va recevoir une petite vignette qui va lui dire, bah voilà, vous êtes deux à pouvoir travailler, moi je suis propriétaire, toi tu es l'invité, et du coup si tu es l'invité, eh bien tu vas pouvoir compléter. Tu vas pouvoir rajouter des articles, tu vas pouvoir rajouter des éléments. Par exemple, je pourrais mettre tout en bas de mon contenu, je pourrais rajouter un texte, et là je pourrais mettre la part d'Alex. Hop. Cette part d'Alex, on va la mettre en H2 ou en H1, parce que c'est important aussi, c'est centré. Hop. Et puis je vais attendre patiemment qu'il ait mis en place son contenu. Alors je sais plus, je suis plus tout à fait sûr que j'ai besoin de sortir ou pas de mon projet, mais ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez, chacun des projets sur lesquels je travaille, je vais pouvoir inviter des gens, même si c'est des projets que j'ai créés il y a longtemps et pour lesquels j'étais seul dessus. Donc ça va vous permettre de travailler à plusieurs sur les réalisations à l'intérieur de SparkPage. Du coup, je retourne hop, sur mon projet Ask Pro et je vais regarder si Alex a eu le temps de rajouter ne serait-ce qu'une petite ligne en bas. Check. Ah, il arrive seulement, zut. Je l'ai perdu en route. Je pensais qu'il allait être plus rapide sur ça. D'habitude, il est beaucoup plus rapide que moi. Une fois qu'on a réalisé ça à deux, eh bien on peut continuer, on peut compléter la publication. Le point qui va être important pour vous, c'est quand on va partager, en fait, on va publier le lien du Spark, on va lui donner un titre, meilleures assiettes. On va pouvoir éventuellement, si vous en avez besoin, éditer les crédits de la photo. Photo Franck Payen, parce que c'est important pour vous. On va pouvoir compléter la présence ou non de l'auteur. Et on va pouvoir lui demander eh bien, de le mettre en avant si on souhaite partager tout ça. Je vais pouvoir lui dire qu'ici, on va parler de nourriture. On va éventuellement créer le lien directement. Il va créer le lien de ce que je viens de composer. Alors, Yac me demande, est-ce que ça coûte sur notre quota Creative Cloud de labo? Et Yac, je n'ai aucune réponse sur ça. Donc, spark.adobe.com, je vais regarder si j'ai la réponse en ligne pour vous. Petit plus, gérer la marque, application mobile, fonction peut-être. Tarif, on va regarder en termes de tarif. Donc il y a évidemment du lancement pour pouvoir choisir parmi les images, réaliser les récits. On a le tarif particulier, on a le tarif équipe. Et ce qui m'étonne, Adobe Spark fait partie des formules Creative Cloud. Je ne sais pas s'il nous précise ça. Ah, zut. Alex ne peut pas se connecter sur la page. J'ai peut-être pas choisi la bonne URL. Bon, tant pis pour moi et tant pis pour le partage. Donc, j'ai pas l'info, Yac. J'ai cherché à profiter du direct avec vous. Voilà un petit peu comment je vais pouvoir mettre en place un petit peu tout ça. L'autre idée, ce qui pourra être intéressant pour vous, eh bien, c'est que est-ce que certains d'entre vous ont un portfolio Adobe, je veux dire, portfolio.adobe.com. Moi, j'en ai un qui s'appelle tout simplement fr32c.myportfolio.com. Je peux tout à fait lui donner une vraie URL, et quand je vais dans mon portfolio, je peux modifier mes sites, et je peux lui demander ici, en modifiant donc le lien, je peux rajouter éventuellement ici une page, et sur cette page, eh bien, je vais pouvoir rajouter des éléments. Par exemple, une page galerie, créer une galerie. Je vais pouvoir lui demander, en créant ma galerie spécifique, eh bien, je vais avoir une galerie de portfolio sur laquelle je vais rajouter les contenus de Nelson. Je vais peut-être, est-ce que je peux mettre Nelson ici? Voilà.
Je vais mettre les photos de Nelson ici, je vais mettre les photos des 3 jours photos de l'autre côté, je vais rajouter ces contenus. Il est possible de les avoir sur une galerie plutôt qu'une autre. Et maintenant, je regarde ici ma galerie portfolio et je vais retrouver des images. Ces images-là ne sont pas de moi, elles sont de Nelson Janowicz qui vient juste de terminer d'ailleurs son expo sur le Japon. Je peux rajouter une page galerie sur laquelle je vais pouvoir rajouter des contenus, par exemple une page, et je pourrais lui dire bah voilà, j'aimerais bien en fait faire une page par défaut, page simple, avec éventuellement une couverture à droite ou à gauche, avec un écran de bienvenue dessus. Ça, c'est tout à fait possible. Je sais qu'elle va servir pour la navigation. Je lui dis OK, créer une page. Et dans cette page, donc là, je suis sur portfolio.adobe.com, eh bien, je vais pouvoir lui demander éventuellement d'aller chercher soit une grille de photos, grille de photos que je vais charger de Lightroom. Normalement, ça commence à vous parler parce qu'on en a fait beaucoup très récemment, là. Voilà, je retrouve mes photos. On va mettre la collection Ask pour les livres. Il y avait déjà de la nourriture. Hop, on va remettre des tartines de confiture, le chocolat du matin et pas de burger parce que le burger au matin, c'est quand même pas très équilibré. Je ne sais pas si la crème brûlée est équilibrée. Je vais importer mes contenus et il va me fabriquer une page spécifique sur mon portfolio. Et du coup, vous allez évidemment comprendre que ce que je peux faire comme page spécifique, eh bien, c'est éventuellement récupérer le contenu de ma page Park et l'intégrer à l'intérieur de mon site. Et je n'ai plus qu'à mettre à jour le site. Et une fois que j'ai mis à jour le site, eh bien, quand je vais dessus, je recharge. Bon, il n'a pas fini, hop, on recommence, je recharge, et là j'ai bien donc ma page simple avec mes images, un petit peu en mode Spark, j'ai une galerie sur laquelle j'ai rien, la galerie portfolio avec d'autres images, etc., etc. Ça marche ? Daniel, vous n'arriviez pas à rejoindre la vidéo, ça c'est pas de chance, vous arriviez exactement à la fin, donc vous passez sur la chaîne YouTube Adobe France, évidemment vous vous abonnez pour être sûr d'avoir accès à la session, pour ne pas rater le début, la fin, la suite. On se retrouve maintenant à midi. Pour ceux qui auraient raté le début, vous pouvez toujours cliquer sur le lien que vous aviez au départ, et vous pouvez même reprendre à n'importe quel moment pendant la session, on peut se retrouver, on peut retrouver tous les différents éléments, etc., etc. Donc tout ça, c'était du direct, il y a un replay en direct dès le début. On se retrouve, nous, d'ici une petite heure, on va parler de Premiere Pro, et la manière dont on fait des trucages à la fois en vidéo, évidemment, un petit peu comme dans After Effects, mais aussi beaucoup sur la partie couleur, sur la partie audio, directement dessus. Pour ceux qui sont intéressés, jeudi, on a une masterclass exceptionnelle avec Arnaud Steckle qui va nous faire une session autour d'Adobe XD. Vous allez voir que ça va être assez bluffant, je pense. Ça va vous permettre en fait de comprendre un petit peu ce qu'on fait avec XD. Et puis, on continue au fil des journées, au fil des mardis. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouvera donc mardi prochain. Et mardi prochain, on se parlera d'un sujet de design. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci beaucoup à Alexandre pour les liens et à très bientôt. Au revoir.